m'énerve avec ton histoire que tu racontes. On dit que quoi ici là? T'as bien attaché cheveux là. On dit que quoi ici là? Un maigri et bonsoir. Depuis ce matin, j'étais un peu en mouvement. Il y avait aujourd'hui la conférence de presse de Maladamo et le président Bedos. Parce qu'il y aura un show, voilà, un spectacle d'humour, voilà, au Palais de la Culture. Et on faisait là, comment on appelle, la conférence de presse. C'est le 22 février au Palais de la Culture à partir de 19h. 10 000, 15 000 les tickets. Voilà, le président Bedos, je ne sais pas si vous avez vu les affiches là. Voilà. C'est là-bas que j'étais. Dans mes courses, ça me fait rire même. Dans mes courses, dans mes balades, dans mes cherchements, où l'homme a tenu transpiré pour se chercher, pour se retrouver là. J'ai entendu des trucs. Depuis là-bas, on m'envoyait des messages inbox, mon portable sonnait, mes abonnés qui ont mon numéro essayaient de m'appeler, ça m'appelait de partout. Donc maintenant, je suis rentrée à la maison, je suis là. Arrêtez d'essayer de m'appeler en direct, là, je ne vais pas décrocher pour le moment, ce n'est pas le moment. Donc oui, j'ai cru entendre que... On dit quoi, Matidola pleure. Tu attends quoi? Elle pleure par rapport à quoi? Moi, j'ai pas vu le direct de Matidola ou je ne sais quoi. Hein. Moi, on m'a été communiqué que il y a Pancho le Gâter qui avait une vidéo du Jean. En fait, je fais pas la vidéo là pour me montrer ou bien pour dire que je suis là, on n'a qu'à me regarder. En fait, je prends ça en même temps, je prends la vidéo de Pancho et de Noé Kipré qui a voulu parler de moi. Voilà, je prends ces deux-là, hein, pour donner un petit exemple à tous ceux qui vont vouloir rentrer dans ce genre de bêtises-là avec moi. C'est pour ça que j'ai dit que je vais parler aujourd'hui, là. Comme c'est eux qui ont commencé, là. D'abord, quand je fais vidéo, là, je fais vidéo, on appelle ça c'est de l'humour. Si vous ne comprenez pas humour, que c'est lourd français pour vous, vous dites je suis comédienne, je fais de la comédie, je parodie, je fais des parodies. Voilà, pour amuser un peu la galerie, pour apporter le cœur, pour le cœur maintenant, pour apporter la joie dans le cœur des gens. C'est ça. C'est ce que je fais. C'est pas comme si c'est trop sérieux, c'est de vous insulter en esprit là, c'est pas ça. Non, écoutez-moi très bien. Vous me voyez comme ça, là, je fais des vidéos, on rit, on s'amuse bien. Mais quand on dit que quelqu'un sait parler mal aussi, là, elle ne peut pas dépasser mon carrefour. Il faut arrêter là où j'ai écrit un nom, là. Tu te bloques là aussi, là, il a parlé mal. Donc, arrêtez vos bêtises des gens qui te mettent dans maison sur le lit. Ils ne savent pas si tes pieds là touchent un peu le sol là. J'ai la frappé, j'ai la beauté, si je la vois, la petite fille elle est impolie. Grand frère, moi là, je suis beaucoup respectueuse. Sinon, il y a beaucoup de choses que je vois là, je peux me mettre en direct et puis je vais parler. Mais je ne le fais pas. Et pour ce même respect là, je vais te dire aujourd'hui là, que tu ne peux pas me faire quelque chose. Tu peux rien me faire, ni demain, ni après demain. Mais la manette n'a pas taille là, c'est comme tu n'as pas force. Et puis même si on met ça de côté là, mais si tu veux trop rentrer dans les jeux des gens, ben moi je ne fais pas parler. Pas avec toi, il n'y a pas envie de te faire du mal. Je vais louer Dolisiana, il va venir te soulever, comme ça dérive, comme ça, vous entendez bien. Moi je ne rentre pas dans les histoires de clash à deux balles là. On se respecte, je te respecte, on n'a qu'à s'arrêter d'en faire des respects. Il ne faut pas aller loin. Sinon, si tu veux aller là-bas, là, ça ne va pas t'arranger. Tu me dis que on embauche des gens que moi je connais, je comprends trop le français, c'est moi qui corrige les gens. Oui, mon travail, moi, sur les réseaux sociaux, là, c'est de critiquer. C'est d'apporter des critiques. C'est de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Quand les gens regardent vos vidéos là,
Et puis vous faites des fautes d'orthographe là. Les gens sont en train de parler entre eux à chez eux à la maison. Ils regardent, il a dit ça là. Hein? Mais ils ne peuvent pas ouvrir la bouche pour dire ça sur les réseaux sociaux. Ils ne vont pas les voir. Et ce n'est pas moi là. Moi, Zunon là. Ils vont s'exprimer. Donc aujourd'hui, demain ou après demain, vous faites direct. Tant que vous faites direct, tant que vous mettez vidéo là, moi j'ai dit, je vais prendre vidéo puis je vais faire ma vidéo. Je ne vais jamais aller dans la maison de quelqu'un pour aller prendre ce qu'il fait là, venir mettre sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous mettez sur les réseaux là, que moi je récupère et puis je fais mon travail. Donc vous là, vous m'embauchez. Donc vous êtes mes patrons. Mais, bizarrement, chez moi, patron n'est pas roi. Et pourquoi aussi là, on s'amuse comme ça. Donc, grand frère, Pancho, tu es petit mais tu es vieux. Donc, il faut savoir te comporter. Moi là, je te respecte. Je savais peut-être que tu étais un peu énervé. Voilà, tu étais énervé sur le coup, tu n'as pas supporté ça. Donc, tu as fait une vidéo quand tu as balancé. Sinon, en temps normal, en temps réel là, toi, Pancho, que moi je connais, tu ne peux pas faire ça. Mais tu es mon bon vieux père, tu ne peux pas faire ça. Donc, je vais mettre ça sur l'effet de la colère. Et puis, je ne vais pas aller trop dans les détails. Sinon, un jus, là, ça dort chez moi. Ça me fait rire même. Comment tu peux t'énerver comme ça? Donc, reviens à la raison, hein. Reviens à la raison. Peut-être qu'il faut dire, hey, je me suis trompé, tout ça, la petite, là, c'est une bonne petite à moi. Et puis, on va avancer. C'est la meilleure solution. Tu as vu, Debord, il avait fait statut sur moi, là. Pourquoi je n'ai pas répondu là? Il me disait que lui là, peut-être qu'il ne s'est pas bien réveillé. J'ai mis ça sur l'effet de comment on appelle. Peut-être qu'il n'a pas bien pris le truc là le jour là. Que j'ai laissé passer. Mais ça ne va pas être habitude. La prochaine personne qui va se lever pour venir me dire des paroles de ce genre là dans une vidéo pour mettre sur Facebook là. C'est là où vous allez comprendre, vous allez savoir la fille qui est derrière, celle qui fait comédie. Là. C'est là que ça a sorti qu'on boit. Comme mon chéri, j'aime. C'est pas on. On n'a qu'à s'amuser, on n'a qu'à rire les Ivoiriens, on n'a qu'à s'amuser, on a trop de problèmes, c'est encore mieux. Donc, pardon, il est vraiment yaya, yaki. Amusons-nous. C'était ça et puis Noé qui prie. Toi, tu fais direct. Tu vas dire mon nom. Moi, j'ai fait vidéo sur moi, ma page. Où il y a mes abonnés qui m'aiment, qui me suivent. Ils vont te voir sur moi, ma page. C'est-à-dire que je prends toi, ta vidéo, pour mettre sur moi, ma page. Tu ne vas pas dire, Eunice, merci. Hein. Ah, tes abonnés m'ont vu, m'ont connu. Tu ne vas pas dire merci, hein. Tu as t'asseoir aussi pour venir dire moi mon nom d'une manière. Si on a cherché bien là, si tu es une cocotte à toi là, tu vas t'évanouir. Donc, il faut te calmer. Tes 3 semaines, tu dis que tu as fait 3 semaines pour arriver à bien dans vos faux buzz là. Leur faux buzz là, Massi Dola Dien ne vous a pas donné 5 millions. Donc, dans vos 300 000 là, vous avez enlevé 2 millions, vous avez enlevé 50 000, vous avez enlevé 3 millions. Malgré ça là, avec ça là, je n'ai pas parlé. Vous allez venir maintenant m'insulter. Quand tu n'as pas honte là, il faut avoir pitié. Regardez-moi des trucs comme ça. Je reste toujours de ma bonne humeur. Je garde toujours ma bonne humeur. Puis je vous dis, calmez-vous les arrangeurs. Parce que si on veut commencer là, ça ne va pas aller. Moi-même, j'adore ça. Quand elle ne répond pas, Pancho cherche beurre sur moi. Pancho va chercher beurre sur moi. Non, je ne pense pas. C'est le contraire, mais peut-être c'est moi qui cherche beurre sur Pancho. Parce que Pancho, c'est un don. Hein? Aïe, Pancho là, on n'a pas besoin même de regarder Facebook pour le connaître. Il a tué à la télé, il a tué. Quand on sort, quand on l'a, c'est Pancho, on soulève. Moi, on ne me voit pas. Non, c'est pas moi qui cherche beurre sur lui. Donc, s'il a fait ça là, il sait pourquoi il a fait. Il sait pourquoi il a fait ça. Mais comme je suis rempli de sagesse, on va dire ça, je ne vais pas vous, je n'ai pas rentré dans ce genre de politique là. Et puis je vais dire, grand frère, ressaisis-toi, c'est tout. Sinon la prochaine fois là, ça sera pas bon. On s'est montré ici sur les réseaux sociaux. Tu vas voir même des Bordeaux et puis Arafat, ils vont s'asseoir pour applaudir quoi.
vont reconnaître que Buzz, ce n'est pas eux qui ont créé. Non, on n'a qu'à s'arrêter là, hein. Et puis Noé qui prie là. Il faut respecter un peu les gens, hein. C'est important. Donc, c'était un peu ça. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas trop durer là. Attends. Je regarde les commentaires. Ok, je vois que des cœurs, je vois des émoticônes, je vois des gens qui sont contents de me voir. Ah, de ne pas écouter les gens. Si, si, je n'écoute personne. Mais il faut que ça serve de leçon. Parce que quand je parle comme ça, je parle pas que pour Noé qui prie. Je parle aussi pour d'autres personnes. Pour les autres qui vont vouloir essayer de me parler d'une certaine manière. Là. C'est à vous d'essayer de m'adresser aussi. N'essayez pas. Les filles, vous êtes là. N'essayez pas. N'essayez pas, hein. Ah, il parle où? On vous parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Là. N'essayez pas où? Non, c'était tout. Merci beaucoup. Moi, je dois aller travailler. J'ai des vidéos à faire. Il y a des affaires. Et puis, je vous dis en même temps, voilà, je vous préviens que vidéo, moi, dans mon direct que je viens de faire là, je vais télécharger. Vidéo de Pancho, je vais télécharger. Noé Kipro, je vais télécharger. Match de là, je vais télécharger. Puis, je vais faire vidéo encore. La personne qui est fâchée là, j'attends son direct. Vous ne me connaissez pas. Tu m'énerves avec ton histoire que tu racontes.